Regardez la taille de cet espace de vie. C'est fabuleux. Et avant tout, direction la porte d'entrée, car ça démarre dès l'entrée du véhicule. Vous avez ici, quand vous rentrez, un petit siège qui vous permet d'ôter facilement vos chaussures, d'accéder à un meuble de rangement pour y ranger vos chaussures quand on rentre parfois d'une randonnée ou bien d'une promenade ou bien même d'avoir fait un peu de tour de vélo. On n'a pas forcément les chaussures très propres. Il est très simple de rentrer comme chez soi, comme à la maison, et de ranger directement ses chaussures dans l'endroit prévu. Imaginez, vous avez plein de copains camping-caristes qui viennent chez vous, dans votre camping-car. Et là maintenant, combien on peut en mettre? Eh bien, regardez. Bon, vous avez vu, 7 places, c'est définitivement le camping-car, on vient prendre l'apéritif. La force de ce véhicule, c'est son énorme, gigantesque vue panoramique. On démarre avec la première baie, on continue, notre regard se porte vers la baie arrière qui est gigantesque également. Regardez-moi ces belles vignes, ça pourrait être la mer, la montagne, et notre regard continue à avancer et se porter sur la dernière baie du salon. On a même une vue derrière après jusqu'à la baie de la cuisine, et ça vous offre une vue panoramique à plus de 180 degrés. Un grand salon, 7 personnes, ce qu'il nous faut, c'est une grande table. Voilà la table, très simple. On peut l'ouvrir ou la déplier afin de la positionner au mieux. Et pour la positionner au mieux, je peux la faire coulisser, je peux la faire pivoter. Et à partir de ce moment-là, je peux inviter mes amis ou tout simplement la tabler en famille. Ce véhicule est prévu pour voyager à 4. La preuve, vous avez pu l'apercevoir déjà, nous avons un appui-tête avec une ceinture ici, un autre appui-tête et une ceinture de l'autre côté, face à face. Voilà comment ça s'installe. Et voilà, installé pour voyager, quand on voyage, face à face, comme dans le train. D'ailleurs, comme dans le train, regardez, je tourne la tablette, je l'amène ici. Et nous allons pouvoir converser, jouer à un jeu de société en face à face, comme dans le TGV. Un grand salon, jusqu'à 7 personnes. Éventuellement, on veut regarder les photos, les vidéos de la journée, ou bien tout simplement la télé. Possibilité, c'est une option, une télé 32 pouces qui va se sortir comme ceci. On parle de votre salon. Justement, le salon de jour, on vient de le découvrir, mais de nuit, quand vous avez vos amis, vous jouez aux cartes, que vous faites un jeu de société, vous avez besoin d'y voir très clair. Ici, vous avez le lit pavillon dont on va parler après. Il n'y a ni plus ni moins que 11 lampes à LED basse consommation. On ne consomme pas beaucoup et on y voit très clair. Parlons rangement maintenant. Vous avez vu tout à l'heure, nous avions vu à l'extérieur une grande porte de soute. Cette soute se situe sur toute la largeur du véhicule, sous la banquette arrière. Elle est d'une petite hauteur lorsque les assises sont en place, mais elle est à géométrie variable, et voilà ce que ça peut donner. Vous vous souvenez du portillon? Il est là. L'avantage, c'est qu'en ayant enlevé les coussins et en ayant soulevé, j'accède à une soute qui est énorme. Quand je vais me déplacer, pour le mode route, je peux avoir accès facilement à ma soute, y stocker tout ce que je veux. Nous avons parlé de la nuit, des rangements, mais notamment de la nuit tout à l'heure avec les lumières du lit pavillon. Le lit pavillon, lui, est fabuleux. Si vous êtes deux, il va vous donner une accessibilité au lit jamais vue dans un camping-car, parce qu'il va descendre jusque là. Jusqu'ici, vous allez voir l'accessibilité. C'est très simple, je ne suis pas très grand. Je m'assois dans le lit. Je peux aller me coucher tranquillement dans un lit qui fait 2 mètres par 160. Un très grand lit qui descend très bas, puisque la table du salon est sur pied télescopique et nous avons pu la baisser. Il n'en reste pas moins que si l'un des deux qui est dans le lit veut se lever de bonne heure, il peut aller à la cuisine, préparer son petit déjeuner tranquillement et ensuite s'asseoir, même s'il n'y a pas de table, poser son café, prendre son petit déjeuner tranquillement en laissant l'autre personne
continuer sa nuit, aller lui chercher les croissants, aller à la pêche, aller chercher des fleurs pour madame. Ce que vous voulez, les vacances quoi. Si jamais vous êtes quatre, rien ne vous empêche d'avoir un couchage salon en bas et d'arrêter éventuellement là où vous le souhaitez, là par exemple, d'avoir une échelle. Et à ce moment-là, vous dormez à quatre en toute simplicité. Parlons justement convivialité. On reçoit du monde, on a de l'espace. Et évidemment, il y a une grande cuisine avec des rangements hauts qui vont se refermer et se verrouiller tout seul. Un grand réfrigérateur avec sa partie freezer, bien sûr. Et puis alors, rangement, allons-y. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire. Continuer avec casserolier et ainsi de suite, même des petits rangements très utiles. Une plaque de cuisson, un évier, un plan de travail pour pouvoir poser les assiettes. Je continue à dire que ce véhicule, c'est vraiment un élément de convivialité. Après le petit déjeuner, il faut aller faire cette palette, la salle de bain. Une des plus grandes salles de bain pour un véhicule de moins de 7 mètres. Le coin toilette, avec son lavabo, ses rangements bas, ses rangements hauts également, des rangements encore ici avec une penderie, des étagères et le matériel, et encore du rangement en dessous et un accès technique. Une grande salle de bain, forcément c'est une grande douche. Regardez la taille de cette douche, du confort et encore du confort. Confort d'une salle de bain, vous allez me dire, c'est l'intimité. Très simple. Un accès vers l'espace de vie avec une porte coulissante et l'autre accès vers la cabine. Cette cabine qui n'est qu'une cabine, mais surtout cette salle de bain va vous permettre de créer une isolation extraordinaire dont je vais vous parler maintenant. Dans un camping-car, c'est très simple. Les zones les plus froides, ce sont la vitre conducteur, la vitre passager et le pare-brise. Eh bien, grâce aux portes coulissantes, celle-ci et celle de l'espace de vie, vous faites un sas qui vous fait une isolation extraordinaire contre le froid et contre le chaud, car quand le soleil tape sur le pare-brise, c'est là aussi où il fait le plus chaud. Bonnes vacances. On parlait d'isolation. Tous les véhicules Bavaria comme pilote ont une catégorie classe 3 au niveau de l'isolation. C'est la meilleure référence ou classe d'isolation que l'on puisse trouver au sein d'un camping-car en Europe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite de cet appartement à la vue panoramique de plus de 180 degrés qu'est ce camping-car, le T696U Nomade pour Bavaria. Il s'appelle le P696U Evidence pour pilote. Je vous souhaite de bonnes vacances en camping-car, bien sûr, en 696U.